Donc, cet art de, oui, de pister et de creuser, donc, m'a ébahi là, tout le temps de mes séjours en Australie avec les aborigènes pour creuser, effectivement. Donc, ils vont ramollir le sol avec le bâton à fouir. Mais dès qu'elles commencent vraiment à creuser, elles vont prendre soit un récipient en métal ou elles vont prendre un loanja. Un loanja, c'est un récipient de bois qu'il fabriquait à l'époque. Ici, on voit donc Jimmy Jambi Jean qui fabrique un loanja. OK. Donc, c'est le récipient vraiment des femmes. Dans le loanja qu'elles transportaient toujours avec elles quand elles étaient nomades, elles pouvaient transporter l'eau, les graines, le bébé et, entre autres, creuser le sol. Donc, c'était vraiment un multifonction. Définitivement un multifonction, le loanja. L'iguane, lézard, le serpent, la patate douce qui demande donc tout cet art du pistage et de savoir creuser et creuser au bon endroit. Mais il y a des nourritures là, qui étaient plus facilement accessibles en certaines saisons. On est OK, saison sèche, saison des pluies, saison chaude, saison sèche, saison froide. On est à l'envers d'ici, donc la saison, là, les températures commencent à monter là, vers le mois de novembre. Les températures montent. La pluie arrive vers janvier, février, jusqu'à, mettons, mai. Et après, donc, les pluies arrêtent et de juin là, jusqu'à octobre. C'est ce qu'on appelle la saison froide. Et donc, selon les saisons, il y a d'autres fruits qui sont beaucoup plus disponibles. Il y en a un qui est très populaire, qui s'appelle, qu'ils appelaient en anglais, là, le bush tomato. Donc ça, t'arrives devant l'arbuste et il regorge là, de ces petits fruits. Il y avait aussi les bush onions, dont ils sont très friands. Et ça, t'avais pas à creuser loin. Là. C'était souterrain, mais c'était assez à la surface. Et quelques femmes, dans une après-midi, pouvaient remplir là, des chaudières de bush onions, qui sont tout petits. C'est tout petit, puis t'es fait juste griller dans les braises. C'était délicieux. Mais à l'époque, en 80-81, ce premier séjour à Balgo, les femmes et les hommes, donc comme je disais, ils étaient nés dans le désert, donc connaissaient tous les trucs là, et toute la nourriture et tous les savoirs là. Et ils avaient un savoir qui était, donc même à ce moment-là, n'était pas transmis. Ok, donc oui, ils ont transmis aux jeunes pour chasser l'iguane et tout ça. Mais là, ils ont, donc à notre demande, en fait, Warwick et moi, ils ont refait toute la préparation de deux types de nourriture, donc des légumineuses et des petites graines. Et les légumineuses, bon, ça ressemble à peu près à ça. OK, donc ça, c'est un arbuste. Elles vont les cueillir dans l'écosse. Elles vont faire un tas sur le sol qu'elles vont battre pour séparer la cosse, la graine de la cosse, la fève de la cosse. Et après, elles vont faire un travail de vannage qui ressemble à ça, avec le loanja, justement, pour aller vanner les graines, okay? Donc les nettoyer. Et pas les graines, là, on est dans la légumineuse. Okay? Donc elles vont... Et là, la légumineuse, la façon de la cuire, c'est qu'une fois qu'elles ont que la graine dans le loanja et que donc toutes les particules là, de paille et autres sont parties, elles déposent des braises chaudes pour les cuire, pour les rôtir en fait. Déposent des braises chaudes sur les graines pour les rôtir et après, elles ne les mangent pas comme ça, elles vont nécessairement après les moudre. Okay, donc, les pierres à moudre
que nécessairement, ils n'embarquaient pas avec eux quand ils étaient nomades, mais les laissaient sur le territoire, sur des points stratégiques. Et ça, c'était un outil très important aussi, la pierre, pour moudre les légumineuses ou les graines. Là, ici, il y a juste une photo de moi où je me suis essayée à moudre, mais totalement inefficace, mon affaire. Mais c'est pas grave, ils étaient gentils avec moi. Demandez-moi pas pour les pistes aussi. Ils ont bien essayé, hein, à quatre pattes, de me montrer la différence entre telle piste ou telle piste, d'un lézard ou d'un serpent. Non, regarde, je ne l'ai pas. Bref, désolé, je ne l'ai pas. Les enfants, c'était hallucinant. Les enfants, on est dans un véhicule 4x4, on roule donc dans brousse, tu sais, on va pas vite, un 30-40 km. Les enfants sont sur le bac en arrière, c'est ouvert, et ils repèrent, les adultes aussi, mais les enfants, là, repéraient les traces, là. Puis ils disaient « stop, stop, on arrive, on a un, là, tu sais. » Bon, on s'est jamais arrivé jusque-là. Mais il y avait les légumineuses et à une autre saison, il y avait les graines. Et là, les graines, on n'est plus dans les légumineuses, on est dans les graines, comme le blé, tout ça, OK? Mais là, c'est des toutes petites graines. Il y en avait différentes sortes dans le désert. Et les graines, là, ça, c'est plus difficile, c'est plus long, c'est plus petit, c'est plus long à ramasser. Hein? Et là, le processus, c'est que tu les ramasses, tu les vannes, tu les mous avec la pierre, mélange un peu d'eau, t'en fais donc un pain, une pâte, que tu cuis dans les cendres chaudes. Mais un jour qu'on est allé comme ça, ramasser une graine en particulier, je me demande si elle s'appelait pas lukurara, une toute petite graine, il y en a des noires et des blanches, et elles étaient arrivées près d'un nid de fourmis. Et les fourmis, c'est des cueilleuses. Et les fourmis, tout autour du nid de fourmis, ben il y avait les lukurara. Il y avait les petites, toutes petites graines, c'est miniature, OK? Et là, ils se sont dit, merci les fourmis. Donc, elles ont toutes ramassé les graines et elles ont demandé à une jeune mère qui allaitait de laisser aux fourmis du lait maternel en récompense. Ça c'était ça aussi, tu sais, si on... Tu vas en parler plus tard, là, tu sais, tout ce rapport aux autres humains, aux animaux, aux lieux, donc toute cette... Il y a une dimension, là aussi, là, de réciprocité, de respect. Mais donc, elles étaient dans l'échange, tu sais. Oui. Sinon, donc, dans les outils importants, donc, il y avait la pierre, évidemment, le loanja. Et il y a, ben, pour les hommes, évidemment, le boomerang. Donc là, c'est juste là, la première étape. Il a repéré l'arbre et il a pris donc la portion de l'arbre qui l'intéresse pour le boomerang. Mais le savoir de ces hommes-là, donc là, on est dans un bois plus dur, un bois d'acacia. Le savoir de ces hommes-là pour fabriquer des boomerangs, là... C'est ça, c'est vraiment, c'est encore là, toute la question des savoirs, de la finesse des savoirs. Là. Il y avait aussi, les femmes faisaient régulièrement des séances de fumigation aux enfants, donc il se faisait longtemps qu'ils avaient compris les qualités antiseptiques de l'eucalyptus, hein, qui est originaire de l'Australie, donc faisaient régulièrement. Là. Leur médecine, c'était une région désertique, donc tu fais pas des tisanes, tu fais de la fumigation. Et ça, c'est un jeune bébé naissant, donc c'est une mère là, qui avait demandé que son enfant ait cette fumigation. Aussi, il y a tout un savoir sur les feux. Donc là, on a, c'est Bye Bye Nabangari et Margaret Djuburula. Donc, j'allais régulièrement là, chasser le petit gibier avec elle. Donc, l'idée, et ça, c'est un savoir que les aborigènes australiens ont depuis toujours, ils ont vite compris que pour éviter les gros feux de forêt, que tu dois régulièrement, les feux de forêt ou les feux de brousse, OK, disons feux de brousse parce qu'on est en Australie, pour éviter les feux de brousse, tu dois régulièrement brûler, hein, le territoire. Comme ça, quand il y a un éclair, mettons, qui met le feu, ben, ça empêche là, que tout brûle et qu'il y a des feux. J'avoue que des feux de brousse là, dans le désert, là, j'en ai vu, c'est des murs, c'est sur 10 km, là, c'est hallucinant.
Et donc régulièrement, mais c'est aussi une technique de, donc c'est une technique pour régénérer la végétation, okay? Donc j'ai déjà dit, donc leur savoir écologique, hein, était assez, non, c'était pas des écolos, c'était pas des écolos, mais dit qu'il y avait une connaissance approfondie du territoire. Donc ça régénère toute la végétation, les feux. Et ça leur permet aussi de mettre à jour les pistes, les galeries, les terriers des différents animaux. Okay? Donc là, elles viennent de mettre le feu à une région. Elles savent exactement, okay, selon le vent, selon la saison, selon la végétation, le terrain qu'elles ont devant elles, elles savent exactement que si elles partent le feu là, il va brûler juste ça. C'était tout contrôlé, là. Okay? Et là, donc, elles vont laisser le feu s'éteindre et après, elles vont aller marcher sur la partie qui est brûlée et elles vont repérer donc les terriers des petits gibiers. Et aussi, le fait d'avoir fait le feu, d'avoir brûlé la végétation, donc la végétation jeune et verte et fringante qui attire les émeus et les kangourous. Donc, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Donc, tout ça, moi, là, tout ça m'a vraiment... Vraiment, oui, ça m'a parlé beaucoup, beaucoup. J'ai appris beaucoup. Ça, c'est un gros gibier, donc un kangourou. Donc, le kangourou, c'est que, bon, les hommes, même à l'époque, quand j'étais là, la première 80-81, premier séjour, dans ceux que j'ai rencontrés, il y a un seul homme qui pouvait encore chasser avec un boomerang. Donc, tuer le kangourou avec le boomerang. Les autres, dépendaient déjà du fusil. Même s'ils fabriquaient encore les boomerangs. Ils fabriquaient les boomerangs parce que le boomerang est, dans les régions désertiques, leur seul instrument de musique. Durant les rituels, ils vont battre deux boomerangs ensemble. C'était aussi un objet d'échange rituel important dans les rituels, les boomerangs. Mais ils ne chassaient plus vraiment avec. Mais quand tu arrives avec un gros gibier comme le kangourou, c'est gros, là. Parce que là, on parle des gros kangourous, les gros, comment ils les appelaient? En tout cas, un gros kangourou, Malu, en Gugaja. Les gens là-bas dans la communauté, c'était surtout des Gugaja, c'est surtout des Gugaja, mais il y avait d'autres groupes linguistiques aussi. Et encore aujourd'hui, tu as des Walpri, des Pintupi, des Gnadi, des Walmajari. C'est très, très diversifié là, sur ces régions-là. Non pas que les gens étaient complètement isolés, ils avaient des réseaux d'échange et tout, mais étaient assez isolés pour développer une langue particulière, et même s'ils se rencontraient. Et donc, oui, là, je parlais du chasser le kangourou. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est un gros gibier. Donc, d'abord, ce qu'ils vont faire, c'est donc le vider, l'éviscérer. Et là, c'est ce qu'il fait ici, après l'avoir éviscéré, c'est qu'ils vont brûler les poils sur le feu. Après, ils vont faire un énorme feu. Ils vont creuser un gros trou à côté du feu. Okay? Et une fois que le feu est tout un lit de braise ou une petite montagne de braise, le kangourou a été éviscéré. On y a coupé la queue, parce que la queue, tu vas la cuire à part. On l'a recousu avec des bâtons. Et là, on le met dans ces earth ovens. C'est du earth oven. Tout était, moi, le premier séjour, et même tantôt, quand je vais parler, là, quand je suis retournée pour mon terrain de doctorat, on cuisait tout au earth oven. Et là, tu mets ça, et là, t'attends. Parce que le kangourou, au braise, tu as tapissé, donc, tu as tapissé le fond du trou avec des braises. Et tu mets le kangourou. Tu le recouvres de braise et de sable chaud, puis là, t'attends, mais ça peut prendre 8 heures, là, tu sais. Donc, en attendant, ils font retirer la queue. C'est gros, là, une queue de kangourou. Ils la font retirer sur le feu, ça va prendre 30-45 minutes, et après, tout le monde se la passe, là, c'est du cartilage, mais c'est nourrissant, puis c'est assez bon. Donc, tout le monde se promène, tout le monde prend son bout, là, de queue de kangourou. Oui, donc...
Sinon, donc ça, c'était, oui, la chasse, la cueillette, mais tous mes séjours là-bas, après, je vais régulièrement là, avec eux, aller avec eux sur le territoire. C'est là qu'ils sont bien, c'est là qu'ils sont contents, puis c'est ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils voulaient faire. Donc, il y a à Balgo, à l'époque 80, il y a deux missionnaires qui sont là. Le missionnaire en chef, que je vais appeler Father Heaven, qui était là depuis plusieurs années, et aussi Father Peel, qui était là depuis plusieurs années. Et Father Peel était aussi un ethnologue. Il va documenter la langue, le Gugaja, va documenter la médecine traditionnelle. Va beaucoup, beaucoup. Donc, il a été là une vingtaine d'années. Il va vraiment, là, c'est un de ses missionnaires, là, vraiment, tu sais, ethnologue dans l'âme, là. Donc, il va beaucoup travailler. Il y avait quelques interlocuteurs privilégiés, là. C'est après sa mort, donc, que quelqu'un, là, va publier tous ses travaux, là. C'est un livre, un ouvrage qui s'appelle Body and Soul, an Aboriginal View, qui est paru en 97. Mais c'est précieux, là, tu sais, je trouve ça très bien là, qu'ils aient fait ça en hommage à Father Peel, là, après tout le travail qu'il avait fait là, dans la communauté. Pendant que j'étais là-bas aussi. Oh, pardon. Durant donc le premier séjour. Donc en 81. Donc on est dans une mission catholique. Okay. Mais les aînés, donc les gens dont je viens de parler, avec qui j'allais à chasse et tout, ou qui travaillaient avec moi à cuisine, cette génération-là avait toujours refusé de se faire baptiser. Pour eux, ça ne faisait pas sens, il n'en était pas question. Ils avaient beaucoup de respect pour les missionnaires, mais il y avait une résistance farouche, vraiment. Okay? On verra plus tard, j'en parlerai plus tard, là, toute leur vie rituelle, la dimension cosmologique et tout est encore très, très forte, là. Et surtout au début des années 80, ils voyaient la possibilité de commencer à se le réapproprier, à se réaffirmer à ce niveau-là. Leurs enfants avaient été baptisés parce qu'une des stratégies des missionnaires là-bas comme ailleurs, c'est qu'ils se sont dit pour les sédentariser, la meilleure façon, c'est de prendre leurs enfants. Et donc, il y avait des dortoirs dans la communauté. Au moins, ils n'étaient pas envoyés, comme au Canada, envoyés dans les pensionnats à l'extérieur. C'est qu'il y avait la communauté, l'Église avait construit deux petits dortoirs, un pour les garçons et un pour les filles, puis c'est des religieuses qui étaient là, qui s'en occupaient. Donc, mais au moins, les parents pouvaient justement camper à proximité et venir voir leurs enfants, mais ils ne pouvaient pas vraiment partir avec eux sur le territoire. Il y en a peut-être qui le faisaient, qui volaient, qui volaient leurs enfants. Donc, cette génération-là avait. Donc, les enfants avaient été baptisés, mais cette génération-là, non. Et en 81, finalement, écoute, qu'est-ce qui les a décidés? Ça, je ne sais pas, là, je ne les connaissais pas assez encore à cette époque-là. Décident donc de faire plaisir aux missionnaires. Pour moi, ils ont eu pitié du missionnaire. Ils se sont dit, on se fait tous baptiser. Ah, les missionnaires étaient tellement contents. Donc, ils font là, dans la petite église de pierre que les aborigènes avaient construite eux-mêmes, là, tu sais, puis ils en parlaient quand ils ont construit l'église de pierre. Ils ne saisissaient pas, là, eux, là, tu sais, on construit quelque chose de permanent qui ne nous concerne même pas. Une habitation permanente, ça ne faisait pas sens pour eux. Mais ils avaient donc construit une très belle église de pierre. Et là, il y a cette grosse cérémonie où tous les hommes et femmes, tous les adultes de la communauté, donc ça veut dire 40 ans ou 50 ans et plus jusqu'à. Ils ont vécu très vieux, cette génération-là aussi, mais ils avaient un bon départ, là. Donc, ils se font baptiser. C'est intéressant, ils ne sont pas devenus nécessairement plus chrétiens après, là, je pense pas. Donc, ça, c'était un grand moment, là, quand ils se sont fait baptiser. Sinon, durant ce premier séjour à Balgo, donc, n'oubliez pas que je suis toujours Mission Cook. Et il y a un couple d'anthropologues, Catherine et Ronald Bunch, qui étaient les doyens de l'anthropologie australienne. Okay? Donc, un couple d'anthropologues qui avaient passé leur vie, vraiment depuis les années 40, à travailler dans les communautés aborigènes, à publier. Donc, ils étaient là, vraiment très, très, ben, très impliqués là, dans leur travail anthropologique avec les aborigènes dans différentes régions. De l'Australie, du Nord et du Centre. Et ce n'était pas leur première visite à Balgo. Donc, j'étais toute excitée quand j'ai appris qu'ils venaient visiter la communauté. C'est moi qui allais les nourrir.
Donc, eux venaient depuis les années 60, on était en 80, 81, donc ils étaient venus quand même quelques fois. Bon, ils faisaient des petits séjours de 3-4 jours, mais c'était, tu sais, des anthropologues aussi qui avaient une autorité. Donc, les aborigènes ne pouvaient pas se défiler. S'ils leur disaient, je te convoque, tu viens me raconter telle histoire, si tu le fais, puis tu me racontes, puis je vais. Mais bon, pour les aborigènes, c'était aussi, tu sais, ils l'enregistraient et ça pouvait être quelque chose, là. Et effectivement, tu sais, aujourd'hui, il reste des traces de ça, là, mais j'en ai compris que c'est ça, tu sais, s'ils convoquaient, les gens se présentaient. Et donc, j'ai approché Catherine Bundt et je lui ai dit, bon, je lui ai dit que j'avais un bac en anthropologie. Bon, elle me voyait, là, j'étais le cook. Et j'ai dit, écoutez, j'ai dit, tu sais, les femmes ont commencé à m'inviter à aller dans les rituels. J'ai dit, il se passe quand même beaucoup de choses. Tu sais, ça commence à être assez florissant. Ils sont en train de réactiver les réseaux d'échanges rituels féminins. Okay? Et donc, tu sais, j'ai dit, on pourrait, tu sais, je pourrais vous envoyer des données ou tu sais, j'essayais de voir tu sais, comment je pourrais donc nourrir, elle, son terrain ethnographique ou. Non, non, je t'ai le cook. Bon, on me dit après, non, ok, je ne dirai pas. Sinon, durant ce séjour-là aussi, j'avais continué, j'ai terminé, j'ai fait un petit contrat avec le Central Land Council pour continuer donc, sur les revendications territoriales. Il y en avait une, pas directement dans la région de Balgo, mais des familles donc, qui étaient d'un territoire là, plus à l'est. Mais ça m'a aussi permis de rencontrer Fred Myers, qui lui avait piloté cette revendication territoriale particulière. Fred est un anthropologue américain qui va publier là, sa thèse dans le milieu des années 80 qui s'appelle Pintupi Country, Pintupi Self. Et il a vraiment révolutionné notre compréhension des aborigènes australiens, de ces groupes-là nomades dans le désert, sur beaucoup de choses, entre autres au niveau de la cosmologie. Mais sur cette idée, on pouvait avoir cette idée traditionnellement là, que les anthropologues avaient cette idée que t'sais, quand tu es nomade dans le désert, des petites bandes donc, qui se déplacent sur un territoire assez inhospitalier, que finalement, ce qui oriente leur itinéraire, leur déplacement sur un cycle saisonnier, ben, c'est les points d'eau, c'est la nourriture. Alors que Fred Myers démontre. Je ne dirais pas le contraire, parce que c'est évident. Ils ne vont pas prendre une route où il n'y a pas de point d'eau. Mais quand ils disaient, tu sais, pour la prochaine saison des pluies ou pour la prochaine, tu sais, dans les. Bon, ils ne pensaient pas en termes de mois, là, mais pour la prochaine saison, on va aller au nord parce qu'il y a tel rituel. Parce qu'il y a un rituel funéraire, parce qu'il y a un rituel initiatique, parce que. Donc, tu sais, c'était la vie rituelle orientée d'une certaine façon. Leur déplacement sur le territoire durant un cycle annuel à l'époque du nomadisme.